Yo les gars, c'est Broken. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est sur Nexion. Donc, quatrième épisode du Let's Play. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'on commence à créer une farm. Si notre base n'a pas été pillée. Et comme d'habitude, allez PVP. Donc bon, il y a 15 clés end à gagner sur cette vidéo. Pour participer, il faut mettre un like, un abonnement, ton pseudo en commentaire. Et rejoindre mon serveur Discord qui est en description. T'es obligé. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Donc là, j'ai beaucoup de stuff. Genre je suis full P4, j'ai une grosse épée, etc, etc. J'ai pas du tout farmé pour ça, j'ai ouvert des clés là-bas. Et j'ai eu du stuff, parce qu'en gros, moi je gagne des points boutique avec les vidéos. Et ça m'évite de farmer, et je me suis fait au passage 5 000 $. Donc on va voir si la base est toujours en vie. Ok, génial, elle est vivante pour une fois. Je vais directement miner, on va essayer un peu d'agrandir tout ça histoire de commencer un petit champ. Donc pas forcément un gros truc. Bon, par contre je vais récupérer toute la terre que je vois et on va reposer de la cobble. Comme ça si quelqu'un X-ray, il verra pas ma base. Dans tous les cas si quelqu'un X-ray, il verra ma base en fait. Je suis pas très malin, c'est pas grave. Ça arrive. Donc bon, ici ce serait la farm. On va mettre la dirt. Des petits escaliers. Bon, par contre il faut de l'eau. On va aller au shop. Bon, on va acheter du fer, c'est pas grave. Un petit coup de RTP et on va prendre ici de l'eau. Bon, on va la mettre là. J'ai pas vu, mais j'ai mis mes coordonnées depuis tout à l'heure. C'est pas très mal, hein, j'avoue. Et maintenant, on va agrandir. Donc, ça peut faire du 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, ça c'est fait. Oh, il faut du bois maintenant, génial. Bon, on va se faire une petite houe déjà. Et des coffres. Tout go bêcher tout ça. Hop. Et maintenant, on va devoir y planter des cultures. Bon là, on va faire un petit truc tranquillement. Donc on va aller poser des graines. Et une fois qu'on sera riche, on avancera avec des cultures custom. Donc bon, là c'est parti. On va un peu en récupérer. Alors, je suppose que j'en ai pour un peu de temps quand même. Parce que bon, on va planter tout ça. Donc voilà, ça c'est déjà fait. On va aller creuser une mini salle des coffres. Donc vraiment petite ça par contre. Et voilà que c'est fait. Bon, on va juste faire un petit truc. On va aller chercher du bois. Parce que bon, on va à l'aide de barrières et de blocs de redstone regardez si autour de notre base il n'y a pas une autre base simplement. Donc en gros là on n'est pas ma base, mais genre regardez ce que ça fait. Voilà, vous pouvez voir avec X-ray en gros, et genre là on peut voir la trappe de tout à l'heure. Donc on va récupérer tout ça et on va aller à la base. Faut juste espérer qu'il n'y ait rien autour. Ah, il y a un mineshaft. Des spawners. Par contre, c'est pas drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait sa base là-bas. On va aller y jeter un coup d'œil. Bon, est-ce qu'on est encore loin? Non, on est à côté. Oh, par contre, ma base, on la voit bien. Bon, normalement, on devrait y être bientôt. Ok. Et, ok, pas mal. On va te laisser, non, pas ça. On va te laisser ça et ça. Et moi, je te prends ça, ça et ça. Voilà. Bon, on va quand même refermer ici. Et en vrai, je vais je vais toujours aller regarder dans l'autre spawner ce qu'il y a. Où est-ce qu'il était? Il était quelque part là-bas, non? Ouais, mais il n'a pas été pillé, celui-là, ça va. Donc, on va faire ça comme ça. Et on va reboucher pour rentrer à la maison. Comme ça. Et puis, si on va mettre un peu d'heure comme c'était. Et il reste juste à vérifier ici, maintenant. Mais c'est clean, ouais. Ok. On a bien avancé sur la base, là. On va ranger tout le stuff dans les coffres et on va prendre nos potions. On va acheter des under perles. Ok, il n'y a pas d'under perles, mais on va acheter des pommes. Ok, des pommes cheat. Et en vrai, on est prêt à aller PVP. On va juste aller au shop voir s'il n'y a pas des under perles. Et maintenant, c'est l'heure du 1v1. Donc bon, on est avec Ziblack et on est prêt à PVP. Allez, c'est parti. Ah mais il PVP avec une rod. Oh, j'ai déjà failli mourir. Ah
Par contre, son épée fait quand même vachement mal, hein. Non, j'ai drop. Oh, c'est pas malin. Oh, il a été meilleur cette fois-ci. Il a été meilleur, vraiment. Bon, bah, on a plus de stuff. En vrai, non, le mec, il a quand même été meilleur. Genre, pour une fois, je l'avoue. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Je suis en Warzone, laisse-moi parler, toi. Pour une fois, j'avoue qu'il a quand même été meilleur que moi. D'habitude, les mecs, ils sont nuls. Mais là, lui, il savait bien se battre. Je suis vraiment en train de me faire pêcher par un mec. Bon, on est à la base, on va faire ce qu'on est doué, c'est-à-dire miner. Parce que bon, niveau PVP, on est quand même un peu pitoyable, hein. Le mec nous a vraiment démonté. C'est rare quand je le dis, mais quand c'est le cas, c'est le cas. Il faut l'avouer, il a été meilleur, voilà. Point. Ça se voit que je pue le seum. Bon, ici, je ferai sûrement l'entrée de la base, c'est-à-dire je mettrai mon home ici. Ici, on aura une espèce de rond-point, les coffres, la farm, et là, je sais pas, un autre truc, on verra. Mais en vrai, on va arrêter parce qu'on aura fait une bonne vidéo. Enfin, bref. Oubliez pas, il y a un concours, 15 clés end, donc c'est équivalent à 25€, je crois. Vous mettez un like, un abonnement, rejoignez mon serveur Discord, c'est obligatoire, qui est en description, et votre pseudo en commentaire. Je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous dis à la prochaine. C'était le B, c'était le R, c'était Broken.